Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment récupérer les travaux de tes élèves avec l'application En classe. Donc, dans l'application En classe, je vois que j'ai présentement deux élèves qui sont en train de travailler. Lorsqu'un élève a terminé son travail, il va me le partager. Donc, regardons comment l'élève va faire ici pour me partager son travail. Donc, je vois que Rosalie, dans son travail, elle va dans les trois petits points. Ensuite, dans « Partager ». Et on voit que dans « AirDrop », elle a un petit picot rouge. Je m'en vais là, dans « AirDrop ». Et elle me voit, donc elle me sélectionne. Et voilà, son travail m'a été envoyé. Moi, je vais faire « OK » ici. Vous remarquerez que maintenant, dans ma boîte de réception, j'ai reçu quelque chose et on voit que c'est l'appareil C4 qui a partagé un fichier et on voit que c'est le document Rosalie à vendre qui est un document Pages. Regardons maintenant comment mon deuxième élève, Ludovic ici, va me partager son dessin. Donc on voit que Ludovic est présentement dans l'application O. Il a utilisé ses formes géométriques pour me faire un dessin. Il avait des couleurs et des formes à respecter. Il est maintenant prêt à me le partager. Donc, Ludovic appuie sur le bonhomme, prend une photo de son dessin. Donc, il va aller dans ses photos. Et dans ses photos, il va repérer son dessin. Il appuie sur la flèche de partage. Il sélectionne ici AirDrop, sélectionne son bon enseignant. Et voilà, le dessin est maintenant envoyé. Donc ici, j'ai deux documents dans ma boîte de réception. J'ai toujours le fichier de Rosalie parce que je ne l'ai pas récupéré encore. Et j'ai maintenant aussi l'image de Ludovic. Donc pour récupérer un fichier, il suffit d'appuyer ici. Donc, je peux faire ça à la fin de la période seulement. Et vous voyez que le document Pages s'ouvre sur mon appareil. Donc, je peux maintenant le regarder et le corriger. Je retourne dans la classe et je vais sélectionner maintenant le fichier image de Ludovic. Donc, j'ai maintenant l'image dans ma photothèque. Il est aussi intéressant d'utiliser cette option lorsqu'on effectue une recherche en classe avec les élèves et qu'un élève a trouvé un site intéressant. Donc, j'affiche ici l'écran de l'élève. Donc, l'élève va aller dans l'option Partager. Ensuite, dans AirDrop ici. Et ensuite, sur son enseignant. Et on va voir ici, là, en tant qu'enseignant, je reçois dans ma boîte ici le site intéressant. Donc, plusieurs élèves peuvent m'envoyer leur lien et je peux comme ça aller voir le site de chacun des élèves qui est proposé pour notre recherche. Voilà, c'était comment récupérer les travaux des élèves via l'application En classe.